Attends, Salut les tous, c'est Nicolas, Modern Gaming, et on se retrouve sur Clash Royale en compagnie de Schmick Gaming. Donc on va tous les deux créer un nouveau compte Clash Bazar. C'est pour moi, je vais le créer, si je veux le créer, c'est vrai que j'ai une Alors, sachez que moi, mon compte principal, il a eu le prince, alors... Merde. Et alors que moi j'ai déposé de l'armée de Colette à l'aide de prince au début. Pourtant, le Colette il a vraiment pas de chance. Donc on a déjà créé un camp avec le plus gros. Alors attends, je baisse un peu le son. Et je m'abuse. Ouais. Parce que ça coûte quand même 1000 pièces. Alors le pauvre mec nous parle, mais j'en ai rien à foutre. Moi, mais. Non, je rigole. Alors. Là, on a les vieilles cartes toutes pourries. Donc, moi, j'aime comme ça, Scream. Ce que je propose... Ouais, ok. Salut à tous. Ce que je propose, c'est de mettre... voilà. Alors, en fait, ils nous disent qu'il faut faire. Tant mieux. Tant mieux. On sait quand même pas comment ça fonctionne. On n'a pas de plus gros route. Donc, non, pas du tout. On met le géant. Et... Enfin, on met le... Alors, ouais. Le concept, ouais, mais... On va du bien. Du coup, la facecam, elle gâche un peu. T'es en ellipse. Alors écoutez, je vais finir le combat et puis je vais changer la caméra de place parce qu'à mon avis, je vais enlever. Enfin ouais, je sais pas. Donc le concept, c'est qu'on va, Nicolas, Eternus et moi, on va créer de nouveaux coups, même si on en a déjà. Et on va voir à peu près qui nous peut voir parce qu'on était tous les deux... Ouais. Bah à peu près au même trophée, à 20 trophées de différence, on a le record. Exactement. Donc attends, je fais une ellipse et je vous retrouve dès que possible. Alors ce gros monsieur, j'ai enlevé la caméra. Désolé pour vous les gars. Moi j'ai arrêté le screen. Et lui il a arrêté de screen après 3 secondes. Il ne mettrait pas en ligne. Alors il a dit qu'il la mettrait pas en ligne. Bref, en fait c'est super simple. À chaque fois que vous gagnez la bataille, vous gagnez un coffre en argent, généralement. Après il y a quelques coffres en or bien sûr. Je dépense des gemmes pour ouvrir les coffres. Aussi, il y a, mais bon, on va pas le faire nous. De quoi? Acheter des gemmes. Enfin, quoi que... Non, je parlais pas de ça. Je parlais de... Tu vois, quand tu dis 15 secondes, dépenser une gemme pour débloquer. C'est vrai que c'est un peu arnaqué. Hein. Il ne faut pas mettre 0 avec une gemme. Et voilà, j'ai gagné le deuxième round. Arrête, moi je suis plus pauvre. Moi, je commence le deuxième round. Alors, on va ouvrir notre premier coffre en bois. T'es que... Ah merde, batterie faible. Passe-moi... Mon chargeur, je peux pas. Alors, désolé pour les messes basses. Alors, je prends ça 2 secondes, juste le temps de montrer le luminosité. Après, je prendrai le mien. Alors, j'ai taxé, je fais à Smidge Gaming, parce que je suis... Alors... Non, attends. Alors, là maintenant, je viens d'améliorer mon chevalier au niveau 2. Mec, j'ai 3-0 en attaque. Attends, si on peut monter par la PSK. Non, il y a... Si on veut la PSK. Oui, mais c'est vrai que... C'est vrai que ça, c'est assez chiant. J'ouvre mon deuxième coffre. Alors, 15 or, une fléchette, un mousquetaire. Le mousquetaire. Ouais, c'est... Bon. Attends. C'est juste pour 30 secondes, mec. Bunch. C'est au bout combien? 3. Mais ça va vite. On est sur le même fil donc on peut pas utiliser l'esprit du réseau. Oh, faites gaffe les gars, il a un coffre en bois. Mec, il m'a coupé aucune gemme. Alors ici, quand vous êtes à là et qu'il n'y a plus beaucoup de vie, vous mettez la pression, vous mettez le plus de troupes. Ça veut dire que tu peux pas mettre la pression parce que c'est un réflecteur ou c'est un ordinateur. Ouais, mais faut lui mettre la pression, quoi, mettre la blinde, comme ça il sait plus défendre. Alors j'ai battu un structeur Mike. Donc on a un round de décalage parce que moi quand j'ai commencé à screen, il l'attaquait déjà.
Je viens d'écraser mon premier zone. Il n'y a vraiment pas de chance. J'en connais un autre hein, qui a jamais 800 balles. Ah oui. Et qui a eu que de la merde dans sa super camp magique. Non, arrête, il a eu la prête de français. Ouais, il a quand même gagné 1000 géants royaux. Plus, parce que additionné, ils ont dû en gagner 2000. Ouais. Encore un coffre en bois, il y a une épique dedans. Alors, est-ce que comme Smidge Gaming nous avons gagné de la merde? Eh, nous allons le savoir bientôt. Yeah, yeah, yeah. Alors attention, révélation dans 2, 1. Alors les 15 heures d'habitude. La fléchette. Non, pas la sorcière. Comme moi. Non. Non. Oh putain, le prince, genre. Oh. Alors parce qu'on me prenait compte, j'avais le prince et tout. On va faire avec, c'est pas grave, hein. Non, parce que j'avais déjà commencé à. Non, on peut pas commencer à nous. Quoi comme nous? Moi, c'est Predator, BE, je sais pas quoi. Ah, bon, j'ai jamais joué avec la sorcière, hein, je vais vous l'avouer. Donc, je sais pas trop comment moi, ça marche. Un pro, ça va. Parce que j'ai la sorcière comme 15 depuis le début et c'est de la merde. Ouais, je sais bien. Ouais, bon, bah, mec, il a fait aucun dégât au-dessus aucune de mes tours. Enfin, putain, mais c'est nul la sorcière. Putain, ça va pas aider. Moi, j'avais eu un prince directement. Deuxième coffre en bois avec une épique. Attention. Et... Non. Badass. On a pas un duel avec des trucs de merde. Que les troupes. C'est sur notre groupe. Ouais, gobelins. Enfin, c'était assez drôle. Gobelins, squelettes. Alors j'ai gagné, hein, parce que comme ça. Non, la première partie j'ai gagné. La deuxième partie j'ai défoncé. Alors. La première partie j'ai défoncé, la deuxième partie égalité, la troisième partie il avait son vrai deck, donc le plus puissant. Et moi j'avais gardé le noob, le truc tout pourri. Et après moi j'ai quitté. Et je l'ai battu. Parce que voilà. Je me suis barré de la partie. Là. Non, en fait, il n'y a que deux légendaires. Anil, attends. Attends. Anil a mal pris mon village. Ah, on a la boule de feu et les fléchettes. Genre super combat et bien joué parce que il y a son truc à vous êtes sur les épaules vous allez gagner pas comme vous collez qui vous reste bien.
Oh, moi j'ai déjà eu un coffre en bois, donc. Ouais, moi aussi. Oh, tais-toi. Quel nom? Moi aussi je jouais contre l'inspecteur Tim. Ils faisaient deux combats en même temps. Prédateur BE, ouais. Ah, c'est parce que maintenant on est contre Boris. Contre Boris le Thug. Dark du kill. C'est quoi ton nom, toi? T'as déjà pu choisir? Ben, j'ai choisi. Ah ouais, en fait, après, désolé, tu seras contre Boris après. C'est la vérité en plus. J'ai un autre nom, mais le coup Dark kill. Putain, j'ai que la sorcière en fait, c'est vraiment de la merde. T'es un fils de pute, moi. Pourquoi? Je parle à la place royale. À cause de leur troupe qui me donne. Ils donnent quoi? Mais de la merde! Un bombardier, un archer et trois gobelins. Mais non, mais la carte pique. Oh, t'es bonne là. Chance, ta gueule. Bonne chance, vous apprenez vite. Alors attention, on s'est pas zoomé, mais il y a son, quand même son chevalier niveau 1. Arrête, c'est trop stylé. Et depuis, ouais, je coupe Boris. Moi, ouais, j'ai bientôt fini Boris. Non, moi, je vais commencer. J'ai... Oh, fils de pute, j'ai mis des archers, il y a une archer qui s'est barré de l'autre côté. Et voilà. Ouais, ok. Non, mec, il m'a démolir une tour. Et voilà, je suis arène 1, et donc il n'y a qu'un seul coffre Bix, mais ce qui me semblait. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est mieux, quoi, tu vois. Et si je mets un nom de balle? Ta gueule! T'as pas! Bien que si, par ton abonnement Proximus. Mon booster, s'il te plaît. Mais techniquement, c'est ça. T'as un problème avec ton code, pour 5 euros, tu peux. Ouais, mais j'ai 25 balles sur moi, mais. Je meurs, ce sera peut-être pour une autre fois. Sinon, attends, je vais leur montrer un petit aperçu de mon vrai coup. Non, mais qu'on allait jusqu'à le niveau 3. Ah ouais. Oui, t'inquiète pas, mais c'est juste beaucoup. Non, pas encore. On va arrêter au sort, je crois. Alors voilà, j'ai un coffre à camp de blocage. 13 minutes avant qu'on puisse prendre des troupes, nulles, donc c'est bon que ça. Ah voilà. Ceci n'est pas cul. Non, ça pas ta tablette. Dark 3, bref, voilà le deck avec lequel j'ai affronté l'autre paye. Alors que mon vrai deck, c'est celui-ci. Il a un bien meilleur deck que moi, il m'a beaucoup de chance parce qu'il aime le prince. S'en fout. Voilà, quoi, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Alors, c'est ça. Ah. On va se dire au revoir. Hein, parce que... Alors, on peut voir qu'on a les mêmes cartes en fait. Ben là, le truc, je déconnais là. Ah ouais, n'importe quoi. On peut vous dire qu'en fait, c'est tellement des cartes de merde qui avaient trop de troupes en fait. Ouais, ouais, c'était vraiment limite ça en fait. Il y avait tellement de. Eh, je suis à la reine 1 aussi. Oh, okay. Hop, la petite tour qui va bien, qui défonce tous les squelettes en un seul coup. Alors, Smitch qui met aïe. Okay. Ouais, c'était vraiment le truc, c'est pas vrai. Une attaque en arène. Alors, ici, en fait, il m'attaque depuis tout à l'heure. J'ai pas vraiment encore mis de troupes. Je suis plutôt sur la défensive, en fait, depuis tout à l'heure. Donc, j'ai mes troupes. Je défends bien. Enfin, voilà ce qui se passe. Et puis ma... Non, mais moi je suis encore niveau 1 en fait. Ben moi non, je suis niveau 2. Ben voilà, donc ma tour vient d'exploser, je me rends compte qu'en fait il me manque une tour. Et donc je me suis dit, aïe.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais un peu attaquer, juste pour le temps de remettre ma tour. Donc j'ai réussi à faire quelques dégâts à sa petite tour de gauche, et il contre-attaque avec des vieux gobelins. En fait, les gobelins sont plus puissants que les squelettes, là, pour ceux qui savent pas. Donc là, ma deuxième tour va bientôt exploser, et c'est pour ça que j'ai pu me ramasser une tour, si je me souviens bien. Non, c'est juste grâce à ma truc d'aide, grâce à mon super truc, tu sais, la pierre tombale. Hop, ici, là, il met la blinde de troupes, donc j'ai pas très bien compris, mais j'ai juste eu le temps de mettre... Là, j'ai fait n'importe quoi, et puis après, j'ai arrêté. Mais t'as mis tellement de troupes, tu vois, que heureusement que j'ai mis ma galette juste à temps. Et donc, j'ai survécu. En fait, il a les gargouilles dans son deck parce qu'il lui manquait une carte de merde. Et ce fils de chien, il va les mettre deux fois. Deux fois. Ouais, deux ou trois. Excusez-moi. Et donc là, vous voyez qu'il y a les gargouilles niveau 4 qui essayent de faire quelque chose, mais bon, je suis tellement puissant que... J'imagine, là, je me bats, un mec après, il va regarder la vidéo. Donc le mec qui s'appelle D majuscule, et puis après, ici, il y a R-O-N, donc... Non, mais par contre, la nouvelle série, là... Donc là, vraiment, je regarde tes vidéos, t'es pas mal. Ça... 5 cubes, les gars, 5 cubes, ce sera ce soir. Enfin, les épisodes de 5 cubes sortiront chaque samedi, donc une fois par semaine, sans plus. Donc là, on est en mort subite. Vous voyez que mes tours sont presque même pas éraflées. Et une de ces tours est à 1120. T'as pris comme, comme par hasard, celle t'as gagné. Ben, j'ai gagné 3. Je les ai tous gagnés, je n'ai perdu aucune. Je les ai perdu aucune. Hein. Ouais, on a gagné. Techniquement, t'en as gagné 2. Et toi, t'en as gagné 0. Oui, en fait, il y a une game où, en fait, elle est tellement longue parce qu'elle fait 6 minutes que je vais pas la mettre. Mais en fait, c'était égalité. Et il gagnait, en dégâts, il gagne de 4 points. J'ai regardé. De 4 points de dégâts, tu gagnais. En même temps, t'avais pris les tours. Pas mort subite. Là, je suis en mort subite, et en fait, j'ai tellement de troupes sur ta tour qu'en fait, tu vas pas avoir le temps, même avec tes gargouilles, parce que t'es un gros... Non ! Voilà, ça, c'était le cri du désespoir. Et voilà, sa tour qui va bientôt tomber à 201. Il me reste vraiment presque plus rien pour détruire cette tour. J'ai rajouté une tour à bon parce que... Alors attention, je balance le chevalier qui est la meilleure troupe de mes decks. Et j'arrive, je vais foutre quelques coups d'épée à sa putain de tour. Non, même pas, c'est pas avec ça que je vais le tuer. Ça veut quoi que je te tue? Donc toi t'as... Non, la première partie. Tu sais que mes tours, elles sont n'importe quoi, t'as rien à faire. Et voilà, grâce à mes gobelins, c'est gagné. Nicolas a gagné. Nicolas est perdu. Et donc voilà, grâce que Nicolas est perdu du clan Dark Fur, a gagné contre Gamer L du clan Dark Fur. Et donc voilà, le clan est accessible à tous les abonnés. Bien fait, ouais, à tout le monde. Bon, à la base, c'est pas vraiment un truc pour les abonnés. Et c'était Smic. Non, je rigole, c'était Smic. En compagnie de Nico Gaming, enfin alias quoi. Et je vous dis bye bye.